Comme il est de coutume, mesdames et messieurs, ici à la Cannes, la conférence traditionnelle d'avant-match s'est organisée ce jeudi pour cette affiche très alléchante entre la Guinée et le Sénégal. Respectivement, c'est le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal qui a ouvert le bal, Aliou Cissé, très confiant pour ce match contre la Guinée. Il espère remporter les 3 points face à la Guinée. Nous avons bien travaillé, l'esprit est là, l'état d'esprit est là, la confiance est là. Les garçons sont concentrés, nous sommes tous concentrés, nous sommes confiants dans ce match-là et nous voulons l'aborder vraiment en essayant d'empocher les 3 points. Pour le coach Kaba Diawara du Sélection nationale de Guinée, le Sénégal sur le papier est un grand favori, une équipe mondialiste, une équipe bien placée, dernier finaliste, mesdames et messieurs, de la CAN 2019 du côté de l'Égypte, mais tout se jouera détail par détail. Et j'ai aussi dit, mais ça s'est passé un petit peu par la petite porte, que le Sénégal est une grande équipe. Et la preuve, c'est le finaliste de la dernière CAN et aussi son mondialiste. Ils ont une série d'invincibilité que nous, on ne possède pas. Une grande équipe, c'est une belle équipe. Et nous, demain, on va essayer de rivaliser avec elle, tout simplement. Très critiqué sur son schéma contre le Malawi, son 3-5-2. Mais Kaba Diawara compte reproduire le même schéma tactique. Il faut voir si on va jouer comme ça demain. On est en train de réfléchir à peut-être une éventualité. On verra, on va bien préparer cette rencontre. Mais après, on n'a pas forcément souffert. Il y a eu des difficultés, certes, mais on a gagné, donc c'est le plus important. Et on voit que depuis le début de cette compétition, ben, ce n'est pas facile de gagner. Donc on peut s'estimer heureux, on a déjà 3 points et on verra ce qu'on fera face au Sénégal. Ça se vendredi 14 janvier 2022, Guinée-Sénégal à 13h temps universel au stade Omnisport de Bafoussam.